Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de me réveiller. Oh, j'ai trop mal dormi. En fait, hier soir, je me suis couchée vers 1 h et du coup, avec les oiseaux, comme vous savez, avec les oiseaux, ils m'ont réveillée. Du coup, je n'arrive plus à dormir. Une fois, j'ai ouvert les yeux et ça y est. Aujourd'hui, j'ai dû dormir 6 h 30. Maintenant, je vais prendre une douche et je vais essayer de choper un panier anti-gaspi et on va voir est-ce que j'ai réussi ou pas aujourd'hui. Pour mon petit déjeuner, ça sera une soupe de riz et accompagnée avec aux eaux plats. D'abord, je vais laver le riz et ensuite. Et ensuite, je vais les faire cuire. En fait, j'en fais pas beaucoup parce qu'il n'y a que moi qui mange, parce que mon mari est déjà parti au boulot. Ça y est, c'est cuit. Maintenant, je vais cuire un œuf. Je vais faire un plat. Comme d'habitude, je vais mettre un petit peu d'huile. En attendant que l'eau cuit, je prépare mon assiette. Et ça, je vais mettre la soupe. Dans ce petit bol, je mets un petit peu de sauce soja. Et voilà, mon œuf est cuit. Maintenant, je vais essayer de choper un panier anti-gaspi. Je vais chercher un Chrono Drive. C'est un panier de mix qui coûte 4,99 €. Donc, j'ai réussi à choper. Voilà. Je vais chercher maintenant. Normalement, j'arrive pile à l'heure. Donc c'est parti! Et il y a aussi un paquet de pâtes, il est un peu ouvert, c'est pour ça qu'il est mis en D'accord. to-go. Merci, voilà. Bonne journée. Gentil, bonne au revoir. Journée, au revoir. Bon courage! Je viens juste de récupérer et là je suis en train de rentrer chez moi. On m'a dit qu'il y a un paquet d'œufs au fond du sac, donc je vais regarder à la maison. Mon sac a l'air lourd, super lourd même. En fait, j'aurais dû prendre un sac à dos à la place d'un sac comme ça parce que là c'est super lourd. Ça y est, je viens juste de rentrer. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, des parmi. Oh, yaourt nature, j'en ai eu 5. Oh, j'ai du saumon aussi. Ah, il y a encore yaourt là. J'ai pas vu. En tout, j'en ai eu 7 yaourts. Oh, j'ai du parmesan, regardez. J'ai eu du fromage aussi. Oh. Ah, j'ai eu des pâtes. Ah, voilà, elle a dit c'est ouvert, donc c'est pas grave. Mais je ne vais pas consommer tout de suite. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de manger des pâtes. J'ai envie de manger autre chose. Et une boîte de 12 œufs. Voilà, pour tout ça, j'ai payé 4,99 €. Alors franchement, ça vaut le coup. Hein. Qu'en pensez-vous? Alors, pour le midi, je suis allée cueillir une courgette au jardin et du coup, j'ai mis aussi une gousse d'ail. Et là, je suis en train de faire dorer le tofu. Même tout le monde dit qu'il n'y a pas de goût, mais moi, je trouve que c'est super bon. Alors, maintenant, c'est cuit. Je vais faire sauter les courgettes avec le tofu. Du coup, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. De l'ail pour parfumer le plat comme d'habitude. Bon, il
il reste encore un petit peu de tout. Je vais mettre les courgettes que j'ai émincées. Les tofu. Hop, je vais mettre la sauce champignon végétarien. Un peu de sel. Et du poivre. Et pour terminer avec de l'eau. Oh, ça sent trop bon. Voilà, c'est cuit. Alors, menu ce soir, ça sera gnocchi au saumon. Regardez, je viens de trouver que j'ai un paquet de saumon qui a daté il y a d'un an, dans un mois, enfin moins d'un mois, ça fait un an, c'est marrant. Et du coup, j'aurais besoin d'une courgette que ma maman m'a donnée. Enfin, il faut que je le finisse d'ailleurs. Et les pommes de terre que ma maman m'a données aussi. Donc, je les fais cuire d'abord. Comme je voulais pas faire beaucoup, je vais éplucher que 3 pommes de terre. Ça me permet de ne pas manger toujours la même chose. Et je verrai ce que je vais faire avec le reste de pommes de terre demain. Voilà. Maintenant, je vais l'écraser. Je vais mettre un peu de farine. Et je mélange. Je mets encore un peu. Donc ça fait beaucoup, hein. Déjà, je pense que ça fait 2 repas pour 2 personnes, là. En termes de féculents, ça va gonfler en plus. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais rouler. Je fais un peu plus gros. Je viens juste de finir, ça me donnait tout ça et maintenant je vais le faire cuire. Oh, ça y est, ça bouge. Maintenant je vais plonger mes gnocchis. On va voir si c'est assez cuit. Regardez, c'est cuit. Donc, je vais vider l'eau. Hop. Je voulais pas trop mettre la farine et ben voilà le résultat. Bon, maintenant je vais essayer le rattraper. Je vais les faire cuire à la poêle. Maintenant, je vais faire revenir à la poêle. Je vais mettre un peu de sel. Au départ, j'ai cru que c'est raté, mais au final, ça va, regardez. Ça fait plutôt joli. Maintenant, je fais cuire les courgettes. Bon, menu ce soir, ça sera manger sainement. Tout naturel, comment dire. Pour la sauce, je vais mettre jus de citron sur le poisson. Un peu de sel, poivre ici, là. Alors, c'est monsieur qui va valider si c'est bon ou pas. Alors, les gnocchis, elles sont bonnes. La courgette est bonne. Et que la sauce au citron, c'est bon.
Et le saumon, c'est toujours bon. Ah bon? Tu savais que ça fait un an qu'il est resté dans le congèle? Il se mange toujours. Là, je prépare la salade pour mon mari qui ramène demain au boulot. Comme il me reste la salade, donc je me disais, autant faire la salade un peu. Et en plus, en ce moment, il fait super chaud. C'est mieux de manger salade que manger chaud. Et aussi, c'est pratique pour lui. Ça permet de gagner du temps. Donc voilà, j'ai mis... En fait, il me reste un petit peu de la salade. Et les concombres de ma maman, donc j'ai mis concombres et salade que j'ai coupé en petits morceaux. Ça sera accompagné avec des gnocchi grillés. Et les saumons. Du coup, j'ai mis des oignons rouges aussi. Alors, pour la sauce, je vais mettre une cuillère à café de moutarde. Une cuillère à café mayonnaise, une cuillère à café de parmesan, une cuillère à café de beurre de cacahuète et une cuillère à soupe vinaigre balsamique. D'abord, je mélange parce que sinon ça va pas. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai mis 2 cuillères à soupe de l'huile colza. Regardez, c'est pas trop beau ça. Je pense que je vais mettre encore un œuf. Toujours avec la décoration. Et j'ai failli oublier oignons frits aussi. C'est bon les oignons frits. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Et on se retrouve demain soir à la même heure. Je vous souhaite de passer de bonnes soirées et je vous fais des gros bisous.